Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce mardi, premier jour de l'Aïd. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, les membres du gouvernement et plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en Algérie ont accompli la prière de Eid al-Fitr ce matin à la grande mosquée d'Alger. Les images dans ce journal. L'Algérie est en fête, retrouvailles, embrassades et échanges de vœux. Nos équipes ont recueilli les impressions des Algériens à travers le territoire national. Dans ce journal également, des centaines de familles à Constantine et à Annaba passent Eid al-Fitr dans leur nouveau logement. Bienvenue à tous. Au nom de toute la rédaction de Canal Algérie, au nom de l'équipe technique qui nous accompagne pour réaliser ce journal, je vous souhaite un Eid Moubarak où que vous soyez, en Algérie ou à l'étranger. Et nous entamons ce journal avec la prière de Eid al-Fitr, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, les membres du gouvernement et plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en Algérie ont accompli ce matin à la grande mosquée d'Alger la prière de Eid al-Fitr, comme on peut le voir sur ces images. Et à tout. وتعبق المسجد الكبير بها في أول أيام عيد الفطر. فقد أدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس مجلس الأمة. Le chef de l'État était accompagné donc des membres du gouvernement et des membres également du corps diplomatique accrédité en Algérie. الرحمن يتلوه وهذا ما نرجوه أيضا لكل إخواننا الأعزاء في أمتنا العربية والإسلامية ندعوهم إلى أن ينهجوا نهجنا في طريق الإصلاح وجمع الكلمة فلنوحد صفوفنا ولنجمع شتاتنا ولننسى ضغائننا ولنترفع عن خلافاتنا ولنتسلح بالعزيمة والإرادة لنخرج من ظلمات الفتنة والشتات التي عصفت بوحدتنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظه واكلأه وارفعه وأدم عليه سترك وبركتك وعافيتك اللهم فك أسر بيت المقدس ورده إلى رحاب أمتنا ردا جميلا يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. Et après avoir assisté aux deux prêches de Eid al-Fitr, le chef de l'État reçut les vœux d'abord des membres du gouvernement. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu également les vœux des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, comme on peut le voir sur ces images. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a félicité le peuple algérien. Il a rappelé dans son message que Eid al-Fitr est d'abord une grande fête, une joie qui ne peut s'accomplir qu'avec une grande solidarité. Je vous propose de l'écouter. Eid al-Fitr al-Mubarak, الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فرحة عارمة لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه فرحة تعمنا وتجمعنا وتلمنا وتوحدنا على أمة طائعة عابدة تتوحد في كل حياتها، تبني مجتمعها، يواسي بعضها بعضا، ننبذ كل أشكال التمزق والتفرق والتشتت والتجرذم، لأننا أمة القرآن، والقرآن جمعنا، علمنا الوحدة في الصلاة، علمنا الوحدة في السحور، علمنا الوحدة في الإفطار، علمنا الوحدة في فعل الخير. هذه فرحة عارمة نشكر الله سبحانه وعز وجل أن بلغنا إياها، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نسأل الله تعالى أن يفرحنا ويتمم الفرحة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وإيمان وسلم وإسلام، وأن يحقق بذلك رفاه وسعادة هذا الشعب، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظ مؤسساتنا من كل ما يشينها أو يفسدها، وأن يجعلنا إخوة في الله متحابين. كل عام وأنتم بألف ألف خير، وعيدكم مبارك سعيد. Et justement, toujours en rapport avec la solidarité, la ministre de la Solidarité nationale, Rania Dahlia, et le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mohamed Merawi, accompagné du Wali d'Alger, ont rendu visite ce matin au plus âgé Adel Ibrahim dans une maison de vieillesse et au service d'urgence pédiatrique à Albière. Je vous propose d'écouter les deux ministres. أتمنى السعادة والهناء والرخاء والعافية لكل الجزائريين في هذه المناسبة المباركة، كما أتمنى عيد سعيد لكل الفئات المتواجدة على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، وكذا المرضى المتواجدون على مستوى المستشفيات، متمنية لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. نتقاسم هذه الفرحة مع أولا المرضى المتواجدين على مستوى المستشفيات، وكذا المهنيين الذين هم سهرين على علاج هذه المرضى، متمنين يعني عيد كريم لكل الجزائريين أينما كانوا. Après la prière de Eid al-Fitr, sourire aux lèvres, tout le monde a échangé les vœux, des vœux de bonheur, de bonne santé, de prospérité. Les visages étaient radieux pour célébrer cette grande fête du calendrier de l'islam. L'ambiance à Alger, commentée par Fela Abras. La joie et le bonheur sont palpables en ce premier jour de l'Eid al-Fitr. Juste après avoir accompli la prière et dans les quartiers de la capitale, jeunes et moins jeunes s'échangent leurs vœux, accolades et embrassades. صح عيدك خويا تقبل الله منا ومنكم الفرحه تاعو تاع العيد ويتقاسم مع خاوتي المسلمين وربي يتقبل منا ان شاء الله شهر رمضان ان شاء الله المغفره عيدكم مبارك لكل امه اسلاميه وصرتوا الشعب الجزائري بزاف بزاف عيدكم مبارك عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير نقبل العام الجاي ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله كما يقولوا لهنا لكاع الجزائريين ان شاء الله والاسره الجزائريه لا فراترنيتي لو باردون انتر امي membres de la famille et voisins sont les hautes valeurs de cette fête religieuse, sans oublier le rituel des visites familiales. هي تكون فرصة باش الإنسان يتفكر الأهل تاعو وصلة الرحم. لازم عوايدنا نروح احنا شو العام. عاد نروح احنا عند لافام يعني. نروح لافام نعيط لخوتي عمومي هذه هي الوسيلة وساتي. نزوروا الأقارب صلة الرحم سختوا الناس اللي بعاد هذوك لازم نزوروهم. مليح تزور الأقارب وكلش. ذو الأجر. ذو الأجر بزاف. يعني كي الانسان يتسامع صاحبه ربي يسمح له مال تما لي سيتي اوكازيون باش الناس تسامح وتنسى وعند ربي ان شاء الله ربي يسمح لنا ويغفر لنا جميعا ان شاء الله صله الرحم واجب هذه لازم كما نقول للصغير الكبير كل عيد
ما كاش تما لي دوك قليل وين تي باكا فاميليا طلع عند فاميليا ويزوروا لا فامي تما كيما بكري دوك غير ولا بالتليفون واش راك لاباس ولا غير ميساج باك يدير كوبي كولي بعث لهم كامل ما دابينا نشوفوا كيما كانوا بكري كيما عاشوا جدودنا صله الرحم مليحه زوروا بعداكم ان شاء الله ربي يجازيكم العيد الفطر une occasion inouïe pour se rapprocher se rencontrer et d'effacer les discordes entre famille et amis pour un renouvellement amical et fraternel. Et justement, toute l'Algérie est en fête, les enfants sont vêtus de leurs plus belles tenues, les visages sont radieux. Retrouvailles et embrassades des Algériens se retrouvent, mangent ensemble et passent du temps en famille. L'unité est aussi dans la diversité, car chaque région a ses propres spécificités. Une ambiance commentée par Karim Haïfa. Un premier jour de fête où les fidèles se sont rendus en masse dans les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd, comme ici à Constantine où l'imam appellera dans son prêche les fidèles à plus de solidarité tout en veillant à l'unité du peuple et du pays. عيدكم مبارك وكل شعب الجزائر أمة إسلامية وإن شاء الله الرسالة لنا وكل شعب الجزائر نبقاو متوحدين إن شاء الله وندعيوا للخير للبلاد إن شاء الله ودائما تكون في تقدم وازدهار عيد مبارك الجزائريين كامل ما تجيش الأول هو الأول العقوبة العام الجاي إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا لينا ولوليداتنا والحباب بكل Même ambiance de piété et de joie à Tindouf, après la fin de la prière de l'Aïd, les vœux sont de mise. صحيتكم كل الشعب الجزائري صحيتكم الخصوص ولايه تندوف مبروك عيدكم تعيدوا تعاودوا بالصحه والسلامه مبروك العيد على جميع الشعب الجزائري الله يجيب لنا لهنا الله يجيب لنا ساعه الخير ان شاء الله زلقت عيدوا مليح وفي فرحه وسعاده تكونوا جاهنين Les habitants de Naama et de Béchar eux aussi se sont vêtus de leurs plus beaux habits pour se rendre aux mosquées يصلح البلاد هذا واش نقول وعيد مبارك للجزائريين الكل الشعب الجزائري ونتمنى له ان شاء الله الخير وعيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله وعيد مبارك ان شاء الله للشعب الجزائري والامه الاسلاميه ونتمنوا لهنا لبلادنا ونطلبوا ربي الوطن تاعنا باش ربي يجيب لنا رجال ان شاء الله اللي يسقدوا هذه الازمه ان شاء الله وتخرج بلادنا ان شاء الله بهذه مناسبه العيد هذا المبارك هذه الفرحه Au sud-ouest du pays, dans la ville de Ouergla, les mosquées ne désemplissaient pas Après la prière, passage obligé par les échanges de vœux. كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير اتمنى رصدكم على coutume Plusieurs milliers de fidèles se sont donné rendez-vous dans cette grande place pour accomplir la prière de l'Aïd. قاطبة وللشعب الجزائري يومين أو ثلاث أيام الخاصة بالعيد هي عبارة عن صلة رحم وتبريكات وتبادل زيارات هذا العيد يجي مرة في العام ولازم دائما نغتنموه وصح عيدكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير Une grande partie du monde musulman célèbre à la fin du mois du jeûne. Les traditions diffèrent d'un pays à l'autre, mais la pratique demeure pratiquement identique. Les musulmans mettent leurs plus beaux habits, une journée débutée par la prière de Eid al-Fitr, suivie d'un repas en famille, avec des échanges de cadeaux dans la plupart des cas. Retour en Algérie, vous êtes nombreux à vous déplacer aujourd'hui. Certains préfèrent prendre la voiture, d'autres optent pour des moyens de transport comme le bus, un moyen de transport écologique mais surtout nécessaire pour des milliers de familles. Bonne nouvelle, une permanence est assurée durant le jour de l'Aïd. L'exemple est dans la gare routière d'Alger. Le commentaire est signé Nakhla Larbi. La gare routière connaît une effervescence particulière à l'approche des fêtes de l'Aïd. Les voyageurs sont plus nombreux et ça s'explique.
Je n'habite pas ici, je suis juste venue rendre visite à ma fille. Là, je retourne chez moi. Je vais passer l'Aïd avec les miens. Je vais passer l'Aïd avec ma famille. Jusque-là, rien à dire. Tout va bien. Pour répondre à la demande plus importante, il faut le rappeler, plus de 100 bus sont venus renforcer le parc. Je tiens à rassurer les voyageurs quant à la disponibilité du transport pendant les fêtes de l'Aïd. Et pour ce qui est du jour de l'Aïd, nous assurons la permanence. Nous devons bien nous occuper des voyageurs et faire en sorte que leur voyage soit le plus agréable possible. Le transport interurbain est en outre en passe de voir le lancement du plan bleu. On échange souvent des cadeaux pendant l'Aïd, comme des gâteaux ou de l'argent, mais des centaines de familles à Constantine et à Annaba ont reçu l'un des plus beaux cadeaux de leur vie, des appartements flambant neufs. Ils vont pouvoir passer leur premier jour de l'Aïd dans ces nouveaux logements. Le commentaire est signé Naïm Haouch. Le nouveau pôle urbain de Al-Rich à Annaba est tout particulièrement animé en ces temps de fête. Les clés de 1430 logements de type public locatif LPL et location-vente du programme 1 et 2 AADL ont été livrées au grand bonheur des souscripteurs qui célèbrent d'une pierre deux coups la fête de l'Aïd et l'acquisition d'un nouveau logement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'attends ce logement depuis 18 ans. Les locations m'ont dépouillé. Aujourd'hui, Dieu merci. Vous savez, j'ai attendu longtemps, on vivait à l'étroit, mais aujourd'hui tout va bien. Ma mère a bénéficié d'un logement, elle attend depuis 50 ans. J'attends depuis 1999, mais on avait toujours l'espoir d'acquérir un jour un toit. Aujourd'hui c'est fait. En effet, c'est fait. Les familles bénéficiaires ont pu découvrir avec joie leurs nouvelles habitations flambant neufs. Aujourd'hui, les citoyens connaissent une véritable joie car ils ont bénéficié de logements. Nous avons distribué les clés de 712 unités LPL et de 718 en ce qui concerne l'AADL. Pour le logement LPL, nous lui portons un regard particulier car il est réellement destiné aux familles qui ont besoin de l'État. La wilaya d'Annaba a bénéficié d'un programme de réalisation de 13 530 logements AADL, dont 3 500 ont été distribués et 340 autres seront livrés au cours du deuxième semestre de l'année en cours. Quant à Constantine, les habitants ont connu de leur côté l'attribution d'un quota de logements promotionnels aidés et ruraux. C'est un jour heureux pour moi, c'est l'Aïd doublement. On a attendu, on s'est montré patient et on a fini par avoir un logement. Je vivais avec mes enfants dans un espace réduit, mais aujourd'hui, alhamdoulilah. En raison du nombre important des programmes de logement en phase de réalisation, il est procédé à une opération de tirage au sort nominative pour la distribution des logements progressivement. Nous veillons à livrer en juillet 2500 unités à ADL, en plus du logement social, dont une grande partie sera distribuée en juillet également. Selon les autorités locales, le reste des logements seront livrés avant la fin de l'année en cours. Selon un communiqué de l'AMP, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les détachements de l'AMP ont arrêté hier, lors d'opérations distinctes à Zaman Rasset et à Ingezem et à Tindouf, trois contrebandiers saisis trois camions de véhicules tout-terrain, des outils de détonation et d'orpaillage, plus de 4 tonnes de denrées alimentaires et aussi 130 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Les éléments de l'AMP ont également saisi 800 litres de carburant, tandis que les éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tamad Rasset un contrebandier et saisi 15 000 unités de production pharmaceutique. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis à échec à Al-Razawet et à Annaba et Tarf des tentatives d'immigration clandestine de 74 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamad Rasset selon le même communiqué.
On passe à l'actualité internationale. La fête de l'Aïd n'a malheureusement pas le même goût partout au Soudan. Ce sont 35 personnes qui ont perdu la vie et des centaines d'autres qui ont été blessées suite à la dispersion du sit-in par les militaires devant le quartier général de l'armée à Khartoum. L'opération de dispersion a été vivement condamnée à l'étranger, notamment par l'ONU et par les États-Unis. En revanche, le Conseil militaire de transition nie avoir dispersé ce sit-in par la force. Au Liban, un tueur a semé la panique hier soir dans les rues de Tripoli, deuxième plus grande ville du pays. L'assaillant a abattu quatre membres des forces de sécurité avant de se faire exploser, selon des sources sécuritaires qui, pour le moment, l'attentat n'a pas encore été revendiqué jusqu'à maintenant. Après avoir perdu environ 10 dollars en deux semaines, les cours du pétrole continuent de dégringoler mardi, donc en Asie et en Europe. Le baril de Brent reculé de 26 cents, il passe à 61,2 dollars. Les prix du pétrole avaient atteint lundi leur plus bas niveau depuis janvier, une chute expliquée entre autres par la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. Et avant de quitter, voici quelques belles images de cette belle journée de l'Aïd. On te mène le l'hna le bladna. On te le bora bi le watan tana bach rabbi jibina rijal inchallah li sakdou had el azma inchallah w tkhrej bladna inchallah bhad munasabat el Eid had el mourak had el farha. On te mène inchallah aam saïd li koul l'umma el islamia bi khair inchallah. Eidkoum mubarak koul aam w antoum bkhair. Eidkoum mubarak koul aam w antoum bkhair. Tahani el khassa w el khalisa li chaab el jazairi و للأمة العربية والإسلامية قاطبة أقول لهم عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير العقبة إن شاء الله العام الجاي القناة إن شاء الله بصحة وعافية إن شاء الله العيد مبارك يمسينا واقع هذه وين الرحمة يا ويد العافية يكال وصلى نتمنى للجزائر الهناء والسعادة ولكل الأمة الإسلامية إن شاء الله نحيي إخواننا المسلمين في كامل على العالم وبخصوص في الجمهورية الجزائرية ونتمنى الخير إن شاء الله لبلادنا عقب الشبة كامل صار تحيا الجزائر. Voilà, avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour les replays de nos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Alibi. À 19h, vous retrouvez Amina Zahouf. Demain midi, vous retrouvez Fouri Al-Assari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Très belle journée à tous.